réenchanter votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique. Le vocabulaire visuel. Les structures. Les structures permettent d'organiser l'espace et l'ensemble du vocabulaire visuel pour donner du sens aux éléments graphiques. En facilitation graphique, on peut utiliser des structures métaphoriques. Et en ce sens, les structures font partie intégrante du vocabulaire. Plusieurs structures possibles, la symétrie. Il faut diviser son espace en deux avec un élément central marquant pour matérialiser les symétries. La symétrie est utile pour représenter la comparaison ou encore la mise en opposition. L'horizontalité, pour parler soit d'une évolution temporelle, soit d'une notion de causalité, comme des structures semblables à des frises ou à des routes. La forme circulaire, il s'agit d'organiser des éléments autour d'un cercle avec un sens de circulation qui va positionner les informations selon un sens de lecture. La structure d'existence, pour organiser des éléments qui correspondent à la thématique mais qui ne nécessitent pas de lien car ils existent indépendamment des uns des autres. On parle d'autonomie ou d'unité. La verticalité, du bas vers le haut ou inversement, pour évoquer l'évolution, la progression ou la hiérarchie, comme avec des pyramides dans lesquelles on va ajouter des informations, ou la montagne pour symboliser un objectif à atteindre. L'appartenance, pour mettre en avant des éléments qui appartiennent ou non à un grand thème, l'inclusion ou l'exclusion.